Là, tournez. On apprend. Je pense. Là, tournez bien même. T'as vu? Alors, bonsoir à tous. Bienvenue au Calabre autour des arts. Aujourd'hui, le thème, c'est art et urbanité. Donc, nous allons parler des écrivains qui écrivent sur le thème que ces demoiselles ont chroniqué avec moi cette semaine. Alors, et ensuite, en deuxième partie, nous allons recevoir Rachid Santaki qui a écrit Les chiffres et les lettres et Les anges s'habillent en fer, que voici. Et en dernière partie, donc, nous allons discuter d'un thème ensemble qui va tourner autour des arts et de l'urbanité. Donc, bienvenue à Calabre autour des arts. Voilà. Merci. Merci. Alors, on va commencer avec Grace qui a lu Kif Kif Demain de Faïs Aghen, qui est une écrivaine. Eros. Oui, mais qui commençait par Kif Kif Demain, trop puissante. Donc, Kif Kif Demain de Faïs Aghen nous parle un peu de l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui retrace sa vie sur environ une année. Ses petits problèmes, elle vit seule avec sa mère qui est mère célibataire parce que son père a quitté le foyer, il voulait avoir un garçon. Donc elle se retrouve seule avec sa mère chez elle. On commence dans son appartement où elle est avec une assistante sociale et tout démarre comme ça. Donc elle est avec l'assistante sociale et puis on a tous les pensées que peut avoir une fille comme ça, et puis forcément on commence par à quoi elle va servir, elle est comme si, alors elle la décrit pas forcément gentiment au départ, et puis elle se dit on a toutes les pensées qu'on peut retrouver chez n'importe quel enfant qui vient de vivre le départ de son père, qui finalement ne la considère pas plus comme son enfant vu qu'elle est partie épouser une autre femme au Maroc et tout ça. Donc. Et elle nous retrace sa vie. Et au final, on entre... Je ne sais pas si on peut dire qu'on est dans ses pensées, mais on est... Moi, je n'ai pas vécu ça comme si on était dans ses pensées. J'ai plutôt vécu ça comme si elle nous parlait face à face, en fait. Qu'elle était en train de nous raconter ce qui se passait. Donc, elle va dire, ah, ben là, je suis là, et puis on va parler de ça. Et à l'école, je ne suis pas très aimée. Et plus dans le langage qu'elle utilise aussi. Mm. Dans la manière dont elle utilise les mots, c'est vrai qu'elle elle parle elle écrit du français parlé, en fait. Oui, voilà. Elle n'écrit pas du français purement écrit. Voilà. Il y a une oralité, en fait. Donc c'est pour... Exactement. Il y a une oralité dans... Exactement. Il y a une oralité dans l'écriture, qui fait que pour moi on n'est pas exactement dans ses pensées, mais c'est presque elle est là et puis elle raconte sa vie comme elle pourrait raconter. Comme elle parle, elle raconte sa vie. Comme elle parle. Sauf que comme elle n'a pas d'amis, elle ne parle qu'au lecteur. Et c'est assez drôle parce qu'il y a plein de petits pics quand elle décrit. Elle décrit tout le monde d'abord. Mais on rencontre en fait dans son année de vie, on sait tout. On sait qu'elle est amoureuse de son voisin, c'est ça, Hamza. Au début, elle n'est pas amoureuse. Au début, elle le prend vraiment pour le. Comme un commun de rôle. Ouais. Et elle finit par tomber amoureuse. Et puis, comme lui, il trouve une copine qui. D'ailleurs, il y a des petites coquilles dans le bouquin. Une copine qui s'appelle. J'ai bloqué beaucoup parce que c'était écrit Karim. Et en fait c'est Karine, la copine, une blonde, plantureuse. Mais c'est pas une coquille. Ah, c'est pas une coquille. Non. Donc dans l'histoire, à un moment, elle parle de ce mec de quartier qui tient les murs de cité. Et donc, de temps en temps, elle va lui raconter sa vie. Lui, il lui dit que non, moi je fume et toi t'arrêtes de fumer, en gros. Donc avec le temps, elle tombe amoureuse de lui. Et à un moment, il rencontre donc une fille. Donc blonde, grande, plantureuse, avec des longues jambes, sur ses talons aiguilles et tout. Et moi, je suis restée bloquée dessus parce que je me dis, mais mince, elle s'appelle donc Karim. Et donc, je me dis, bah mince, en fait, le type, il est homo. Et j'essaie de comprendre, en fait, j'ai essayé de comprendre le fil. Et un seul coup, mais c'est des tout petits, c'est pas vraiment des chapitres, mais chaque idée, en fait, dure 4-5 pages. Mmh. Et donc, une dizaine de pages après, je vois Karine. Et sincèrement, je reviens en arrière, j'ai mal lu. Je dis, mince, Karine est devenue Karine. Je dis, oh, c'est une coquille. Non, c'est pas une coquille, bah...
Faut te replonger dans l'esprit en fait d'une enfant de 15 ans. Elle l'appelle Karine parce qu'elle n'a pas envie de prêter attention à, voilà, à la Karine. C'est pas écrit, elle a la Karine. Excusez-moi, non. C'est pour la désincarner. Voilà, c'est ça, elle l'aime pas, donc elle l'appelle Karine. De toute façon, Karine, avec ses bonnes jambes, machin, Karine. Et puis à la fin, elle l'appelle Karine parce qu'elle commence à accepter. C'est d'autant plus drôle. Voilà. Bon, il faut aussi dire en fait que ce livre il parle beaucoup de galères, hein, même si on ne dit pas trop. C'est une jeune fille des cités qui vit seule avec sa mère. Sa mère, elle est femme de ménage dans un hôtel Formule 1. Elle sait parler français, mais elle est analphabète. Leurs fins de mois sont un peu difficiles, justement c'est pour ça qu'elles ont un balai d'assistante sociale à chaque fois. Et elle raconte un peu, tout en rigolant, c'est rigolo parce qu'en fait son écriture est assez rigolote, mais c'est en même temps très triste parce qu'elle raconte tout simplement la galère quoi, entre ceux qui tiennent les murs, entre sa mère qui fait les ménages, que son directeur déteste, qui s'appelle Monsieur Chiant, mais qu'elle, en fait, elle n'arrive pas à prononcer le nom de son directeur, et donc à chaque fois qu'elle lui parle, il a l'impression qu'elle l'insulte en disant qu'il est chiant, sauf qu'elle ne sait juste pas prononcer. Et tout au long du livre, en fait, bon, c'est une fille qui est assez dynamique. Moi, ce que j'ai bien aimé, je trouve ce livre super têchu. Et on arrive à se plonger dans la tête d'une jeune fille de 15 ans parce qu'en plus elle parle à la première personne. Donc c'est assez vivant. C'est assez vivant et. Il se lit super vite. Et moi j'ai compris son succès, même si. Mais c'est un message d'espoir aussi. Oui, moi j'ai pas un message d'espoir qui ressort de. Parce que justement, comme elle a raconté ça de manière rigolote. Exactement. Le personnage, cette jeune fille, elle est limite. Je dirais pas honnête, mais elle parle pas beaucoup à ses voisins, elle parle pas beaucoup à ses camarades de classe, elle parle pas beaucoup. C'est pas qu'elle parle pas beaucoup, c'est non, que mais personne ne lui parle en fait. Mais est-ce que c'est elle aussi qui a un peu une attitude pour moi? Elle a aussi un peu une attitude. Tout le monde va au mariage dans la cité, les seuls membres qui n'y vont pas, c'est elle et sa mère. Oui, après, il y a aussi. À chaque mariage, il y a aussi le fait qu'elle dit non, mais je m'en fous. Elle arrive dans son école de coiffure, elle dit de toute façon, elles sont tous blondasses, décolorées, permanentées, machin. Mais c'est la manière dont elle appréhende les gens qui, pour moi, fait qu'elle n'est pas. Elle n'est pas bien intégrée même dans son quartier. Et pourtant, la manière dont elle le raconte un peu de manière détachée. Parce qu'on voit bien que justement, je pense que c'est une sorte de déni de la réalité. Elle vit beaucoup dans sa tête, en fait. Elle vit beaucoup dans sa tête. Et finalement, la manière dont elle raconte les choses, t'as l'impression qu'elle regarde, c'est comme si c'était une personne qui observait tout ce qui se passe en dessous et qui le raconte à d'autres personnes. Oui, c'est comme si elle ne vivait pas ce qui se passe. Mais je pense que c'est une sorte de déni de la réalité, parce que quand on essaye de voir, elles ont une espèce de voisine là qui est un peu sympa, celle qui fait tout le temps du mafé, qui a ses filles qui sont marrantes, avec qui elle a quand même une assez bonne relation. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est quand même assez aimant, mais je pense... la vie leur a pas donné beaucoup de chance non plus. Moi, elle m'a touchée, elle m'a plutôt touchée justement dans sa manière d'appréhender la vie qu'elle vit. Donc, de ce côté-là, je me suis pas dit son père l'a quitté, machin. Oui, en fait, elle voit ses galères comme n'importe. Voilà. Ça aurait pu être n'importe quelle adolescente, même une adolescente du 16e arrondissement, la manière dont elle le raconte. Oui, après, ça peut être du déni de la réalité. C'est un gros déni quand même. C'est un mal-être, mais comme elle dit ça en rigolant. Donc ça fait passer la pile. Pour moi, c'est un vrai mal-être, parce qu'elle le répète tout au long du bouquin. Mon père qui nous a abandonnés parce que je suis une fille, mais tu vois, c'est redondant ce genre de choses. Et je pense que c'est un vrai mal-être, mais comme elle dit ça avec des phases de quartier, Moi, je la sens pas mal dans sa peau. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est un monde, en fait, dans lequel elle s'est limite un peu retrouvée par hasard, parce qu'elle est vachement vive d'esprit et elle ne s'identifie pas à toutes ces personnes qui l'entourent. Entre celui qui tient les murs, elle est amoureuse de lui juste parce que c'est un peu le caïd du coin, donc elle le trouve comme une adolescente. Hein. Elle n'est pas mal faite de sa personne, c'est un peu le caïd du coin. Et comme elle est un peu rêveuse, elle est amoureuse de lui. Mais en vérité, quand on essaye de regarder tout son environnement, les gens à qui elle parle, les choses qu'elle fait, même les rêves qu'elle a pour sa mère, on sent bien que c'est quelqu'un qui est vachement vif d'esprit, mais qui trouve que de toute façon
c'est pas la cité, voilà quoi. Elle a une idée très ferme sur la cité, de toute façon c'est un endroit de non-devenir où les gens zonent, et elle veut pas zoner. Puis elle est un peu contre le système, elle parle aussi beaucoup du système et elle est un peu contre ça. Donc bref, Faïza Guen, kiff kiff demain. À lire, ne fût-ce que pour pouvoir dire qu'on l'a lu déjà. Un dernier petit truc, c'est que moi, le seul problème que m'a posé ce livre, en fait, c'est qu'il me rappelait beaucoup trop. J'ai eu le malheur, en fait, de lire d'abord Le Petit Malik. Oui. Donc, ça me rappelait énormément. Moi aussi. Vraiment un peu trop Le Petit Malik. Donc, j'avais l'impression de revoir les mêmes choses. Et c'est le même genre d'écriture. Donc, sauf que Le Petit Malik, c'est sur toute sa vie, mais c'est le même, pour moi, c'est le même genre d'écriture, le même genre de personnages qu'on retrouve nécessairement. Et du coup, on a un peu une impression de redondance dans la manière dont... Est-ce que c'est pas tout simplement une réalité? C'est pas dans ce qu'ils vivent, mais c'est dans la manière dont c'est écrit. Moi, à la limite, je trouve ça, à la limite, on pourrait confronter les deux livres. Mabrouk Rachedi était notre invité au mois de juillet. Il a notamment écrit donc Le Petit Malik, qui raconte l'histoire d'un petit garçon habite dans une cité. Non, la petite Malika, une petite fille, Petit Malik. Ces garçons. qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une cité et qui, pareil, à un moment donné, zone un peu avec ses copains, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de confronter les deux livres sans pour autant en faire une comparaison et de dire là, c'est le regard d'une petite fille, là, c'est le regard d'un petit garçon qui ont sensiblement le même vécu. Ils sont dans le même environnement urbain, dans une cité. Donc oui, on pourrait les comparer pour ça. Après, c'est réaliste, quoi. Chacun un peu son histoire, mais je pense que si tu vas dans une classe, les enfants, ils habitent dans le même quartier, ils vont te raconter la même histoire avec des couleurs différentes, quoi. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que j'avais l'impression de... C'est forcément le raisonnement que je me suis tenue. Mais du coup, moi, ça m'a un peu... C'est l'impression déjà oui, ça en fait. Oui. Ouais. T'as pas eu d'effet de surprise. Voilà, ou pas trop d'effet de surprise, parce que c'est vraiment la vie au quotidien de ces personnes-là. Enfin, la vie au quotidien, leur regard au quotidien. Donc du coup, c'est pas une histoire, une grosse histoire avec un fil conducteur. C'est juste leur vie. C'est fait que pour moi, il y a une redondance. Après, comme Didja se demande toujours si on devrait conseiller, moi aussi, je recommanderais vivement de le lire, parce que cette jeune fille de 15 ans, mine de rien, pour ses 15 ans, elle a un regard très perspicace sur ce qui l'entoure et sur la vie. Donc, et avec toujours un peu d'humour, etc. Donc, livre très rapide à lire, très intéressant. Et puis, elle nous apprend que tout est relatif, surtout. Moi, c'est ça que j'ai retenu de ce livre-là, c'est qu'il y a une morale, et que la morale, c'est que, quoi qu'il en soit, il faut toujours y croire. Et c'est d'ailleurs un jeu de mots qu'elle utilise. Ce sera mon dernier mot sur ça. Mais c'est le dernier mot qu'elle utilise. Kiff, kiff, demain. Enfin, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, puisque kiff, kiff, dans le langage approprié, ça veut dire c'est pareil demain. De toute façon, le destin, quoi qu'on fasse, c'est le destin. Ça sera toujours pareil. Mais là, en disant kiff, kiff, comme je kiffe, enfin, voilà, c'est un beau jeu de mots, je trouve. Donc voilà, rien que pour ça, pour le fait que ça redonne de l'espoir, je pense que... À recommander. Allez, voilà. Ah. Donc, Rost. Enfant des lieux bannis. Donc, un bouquin écrit par un ex-rappeur. Excusez-moi, si tu nous regardes, je retire ce argument. Enfant des lieux bannis, toi aussi, t'as été surpris. Donc, écrit par un jeune rappeur, un ancien rappeur. Je le connais plus pour ses interventions dans les émissions de foot que pour faire du rap. Foot. Et encore foot. Politique, plus pour ça que pour le rap, mais bon, bref. Voilà, en fait, c'est un auteur qui a plusieurs casquettes, donc il est tagueur, rappeur, immigré, fils d'immigré, il est fondateur d'une association... Banlieue Active. Banlieue Active, voilà. L'association s'appelle Banlieue Active. Et en fait, dans ce bouquin-là, je m'attendais clairement à être dans un roman. Je me suis dit, bon, on voit sa tête, il met son nom. C'est un bouquin c'est un bouquin un peu pub. Et en fait, dans ce bouquin-là, il nous raconte clairement sa vie, sa biographie.
Il nous explique comment il arrive en France. Il nous explique comment il vivait au Togo. Ouais, c'est un Togolais. Ouais. Il nous donne son vrai nom, sa vraie identité, comment il est passé de je vis une belle vie d'enfant, de famille de classe moyenne, plus, on va dire, et je passe à enfant séparé de ma famille parce qu'on est pauvre, parce que ça va pas. Pour une raison importante en plus, à mon avis, c'est oui, pour une vraie raison, oui, non, pour de vraies raisons. Excuse-moi de te couper, mais il est devenu pauvre parce que son père était enseignant et qu'il a refusé un enseignant avec beaucoup d'influence dans son, je sais plus si c'était un village ou un gros quartier, et il a refusé de supporter le pouvoir, le parti unique du pays. Et on l'a déchu, de son poste, et on l'a empêché de retrouver d'autres postes, ce qui a fait que ça a séparé la famille. Et pour moi, c'est la première grosse injustice que lui il vit, ce garçon. Parce que effectivement à travers ça, il raconte que son père, c'est certes un modèle, mais son père est hyper droit. Professeur ou strict, mais tout le monde écoute, les élèves ne plient pas un mot, énormément de respect. Et en fait, petit à petit, en grandissant, en étant séparé de sa famille, et ben, il ne se rend pas compte tout de suite, mais le regard de son père a s'est transformé. Son père a un regard un peu aigri de la vie. Son père lui donne le premier coup, le frappe à coup de ceinture de... Tu l'as pas lu, non. Le frappe à coup de ceinture des mémoires. Pour une chose qu'il n'avait pas commise, donc lui il vit encore une autre injustice. Et pendant qu'il est séparé, ça dure presque une dizaine d'années, non, 6 ou 7 ans. Pendant 6-7 ans, il vit donc chez son oncle et tante. Et pendant cette durée-là, ses parents se battent pour arriver en France, s'installer en France. Et donc lui attend, en fait, il attend parce qu'il y a toujours une bonne raison. C'est les papiers, c'est. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut connaître soit personnellement, soit autour de ses amis. Donc il attend. Et vers ses 11-12 ans, il va chez un autre oncle qui travaille à l'ambassade, des choses comme ça, bref. Et donc au final, il arrive en France. Et arrivé en France, là où il avait l'espoir, avant toute chose, de revoir sa famille, ben. Tout ce rêve s'écroule un peu parce que finalement, ses parents vivent dans un 28 mètres carrés. Ils sont 9 à Belleville. Et là, ils rencontrent encore une autre injustice, c'est que même en France, il y a en gros les Français et les autres. Donc, finalement, il devient... c'est un enfant qui devient dur en lui-même parce qu'il veut pas qu'on lui, en gros, il veut pas qu'on lui monte sur la tête. Les premiers jours, il a dû changer de tout au tout sa personnalité parce que il s'est fait attaquer. Il revenait d'Afrique et puis il est arrivé avec ses vêtements de pauvre, d'enfant vraiment pauvre. Il est arrivé avec ses habitudes d'Afrique, avec ses pensées africaines. Il correspondait pas du tout au standard. Donc du coup. Dès sa première semaine de sixième, en enfant en sixième, il a déjà dû se battre pour s'affirmer en quelque sorte. Se battre, mais vraiment se battre physiquement. Et il est devenu comme ça, sans le vouloir, le petit Caïn. Mmh. Parce qu'à chaque fois, les élèves de l'école le voyaient un peu comme, vas-y, c'est l'immigré. Parce qu'il est pauvre, parce que son père se battait, il n'avait plus le même métier, mais son père allait, je ne sais plus, dans 78 récupérer des enfants pour... dans une association, donc des vêtements genre à quelques centimes, mais c'était des habits tellement lambeaux que son père, pour leur remettre, il en avait honte. Donc il disait rien, mais leur père, il leur mettait, il disait, bon, en gros, j'ai trouvé que ça. Bon, ben, les enfants, de toute façon, ils n'ont porté que ça. Et du coup, il s'est toujours battu contre, je suis pauvre, mais à l'école, je suis la risée, quoi. Et donc, je ne veux plus être la risée, la seule façon dont je vais défendre, c'est de cogner. Et il était, je crois que c'était un petit gringalet en fait, donc il avait rien pour lui, mais sauf qu'il avait la force dans ses poings. Et il a tapé à tout le monde, tous les gens qui l'ont provoqué. Tous ceux qui ont parlé, on l'a tapé, on a parlé sur lui, maintenant, respect. Alors, mais c'était un enfant modèle qui a dû... un enfant modèle qui finalement compense, quoi, qui a lâché ce côté studieux pour devenir un caïd, malgré lui. Le problème, c'est qu'arrivé un moment, on lui fait changer d'école. Parce que son père, pareil, il a un peu lâché les bras depuis cette histoire du bled. Donc, je crois qu'il a frappé. C'est plus le même. C'est plus le même, voilà. Et donc, il change d'école. Et en changeant d'école, il promet en gros à un stit, que non,
On me connaît comme un caïd, mais je vous jure, je suis pas un caïd. Le problème, c'est que... Ce qui est vrai, en plus, c'est qu'au fond, lui, il a pas envie de se battre. Mais on vient toujours, en plus, dans sa nouvelle école, il rencontre des skinheads. Enfin, je veux dire, voilà, il est dans le 17e. À l'époque, enfin, vous imaginez, je pense vers la fin des années 80, comme ça, il est dans le 17e avec plein de gens qui... Des beaux quartiers, enfin les gens des beaux quartiers, et puis des gens, un garçon raciste à souhait, et... Il lui met un coup de tête. Oui, qui lui met un coup de tête, et quand il réplique, il va... Il tombe par terre. C'est bien raconté, parce que le skinhead lui met un coup de tête, et Rost, derrière, il lui met juste un coup de poing, et le type, il tombe à terre. Et sa chance, à partir de là, sa chance, c'est que la directrice, finalement, le croit. Elle lui met un blâme, mais elle le croit. Et à partir de là, en fait... C'est pas qu'il devient studieux ou devient sage. À partir de là, il se fait son petit monde. Il décide avec un pote de cité, de quartier, de faire des tags parce qu'il se reconnaît là-dedans. Et en faisant le tag et le nom qui circule, parce que ça reste toujours le caïd de quartier, le nom circule dans la ville, dans les quartiers, dans les arrondissements. Et c'est devenu un groupe. Le CMP, c'est ça, oui, au sens américain du terme. Enfin, c'est une espèce de grosse bande qui a vraiment pour vocation de... Enfin, pour vocation de taguer un peu partout, d'affirmer donc, sa présence. Donc, c'était cette équipe-là, voilà, qui taguait sa partout. Présence. Si vous vous posez des questions, vous voyez des tags. Moi, je sais que je m'étais posé des questions. Je m'étais posé des questions, je sais pas, quand on prend l'erreur, on se dit, mais qui s'amuse à taguer entre Nation et Gare de Lyon à l'intérieur des stations. Et en fait, c'est des gens comme ça qui, la nuit, le jour, le matin, le soir... Il explique très bien dedans. Il explique comment il a des passes partout, comment c'est limite, c'est dangereux, mais ils sont entre deux trains comme ça, ils bougent pas et tout ça, pour aller taguer... Il y en a qui se loupent, mais il explique que c'est le goût du risque, voilà, juste pour taguer. Et donc toute l'histoire, c'est ça, c'est je viens de l'Afrique, j'arrive en France, c'est malheureux, finalement, je monte mon coup, c'est toujours malgré lui, et puis c'est sa vie. Et donc il y a trois grands thèmes dans ce bouquin, c'est de mon enfance au rap, du rap à la politique. De mon enfance au tag. De mon enfance au tag, du tag au rap, et du rap à la politique. Oui. Et donc, en gros, ça résume clairement le bouquin. Donc après, donc il nous explique du tag au rap. Bon, excusez-moi, mais bon, c'est pas très... Moi, c'est classique, celui qui tag, il finit par rapper, quoi. Donc, après, celui qui rappe, il finit dans la politique. C'est plus compliqué. Et là, c'est là où je trouve que c'est une partie la plus intéressante. C'est que, en fait, toujours dans son cœur, dans son âme, finalement, c'est quelqu'un de pas mort, de foncièrement... Bon. Avec des principes. Les principes qu'on lui a inculqués avant la séparation, quand il est séparé de ses parents. Voilà. Et en fait, il se rend compte donc que, comme il est du côté des quartiers, on est des cassos, on nous crache dessus, je vais à l'école dans le 17e, et ils ne savent pas ce qui se passe dans le. Vas-y, c'est quel quartier ça ? 19. Bref, dans le 19e ou 18e, ils ne savent pas ce qui se passe là-bas et tout. Finalement, en fait, il commence à dire bon, il y a des injustices. Je vais défendre les analphabètes, les immigrés, les sans-papiers, tout ça. Et je vais les défendre. Et donc, il commence par faire un questionnaire. Il rassemble des questions. Une centaine de... Il fait une enquête des habitants. Voilà, une enquête auprès des habitants. Et avec ses propres fonds, il va dans toute la France poser des questions, se rapprocher des maires et tout. Et donc petit à petit, en fait, là où il pensait que ça allait faire même pas forcément du bruit, son côté, l'esprit, c'est vraiment de dire je veux défendre les minorités. Mm-hmm. Et petit à petit, en fait, ça fait ça prend forme, il y a du monde qui y croit, des maires de petits, de moyens, de grands villages, non, de villages, de villes et autres qui y croient. Et donc dans la troisième partie, il nous explique comment ça a tellement pris de l'ampleur et que la justice aussi un peu entre guillemets existe, qu'il en devient à rentrer dans les faire des plateaux télé au moment des élections. Au moment des élections, donc il fait des plateaux télé, il se rend compte que les stars politiques, des partis politiques, au début ils le chambrent parce qu'ils disent ouais, c'est un genre, c'est le petit quartier quoi, c'est pas celui du 9-3 mais c'est la même chose. Mais finalement, il fait du bruit partout où il passe. Donc, il se défend comme ça. Il se défend. Ça fait du bruit. Et puis, voilà comment, finalement, on apprend la vraie vie de Rost.
en fait. Là, moi, en... c'est son surnom. Hein, Oui, c'est son surnom. Non, mais lui, il a un nom compliqué. L'intérêt général du truc, parce qu'au-delà de sa vie, est-ce que c'est un livre qu'on prend plaisir à lire ou pas? Moi, j'ai accroché, en fait, parce que... c'est quelque chose de vrai. Donc, on avance, on se dit, ah, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il devient comme ça? Oui, on prend... moi, je prends plaisir à le lire. J'ai pris plaisir, pourtant, je ne suis pas du tout politique, mais j'ai pris beaucoup plaisir à comprendre... Parce qu'on comprend pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il est passé de l'urbain à la politique. Parce que c'est clairement ça. Et on est amené à se poser des questions pour certains. D'autres, on se dit, ouais, c'est vrai, ça se passe comme ça. Et c'est un bouquin qui se lit super vite aussi. Alors, perso, moi, je vais un peu modérer tes propos. Je m'excuse. Parce que, parce que pour moi, autant le livre, autant la partie compréhension de... Parce que c'est vrai qu'on vit à côté, enfin personnellement, quand je rencontre une personne comme ça, je me dis, je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui te prend de taguer les trucs, enfin, pourquoi t'as... Non mais c'est vrai, non parce qu'il y a quand même... Un tiers du livre, c'est quand même le tag. Donc qu'est-ce qui leur prend de taguer, et puis pourquoi ils font ça, pourquoi ils s'amusent à être en scooter comme ça. Voilà, et donc tout ce qu'il explique là, toute la partie compréhension, c'est vrai que ça m'a intéressée. Après, il faut vraiment, on parle que de lui. On parle, c'est le lui. C'est vrai que c'est l'autobiographie. Hein. Oui, c'est autobiographique. C'est autobiographique, mais autobiographique vraiment centré sur son nombril. C'est-à-dire que chacun son avis. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, au bout d'un moment, à force de dire je et que son univers s'arrête à lui-même et son coup. Son coup de temps en temps, mais c'est tout le temps bah, avec mes fonds, j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, j'ai toujours pensé vrai. Comme ça, j'ai toujours vécu ça. Et puis quand je fais du rap, j'ai eu des galères, on m'a lâché moi, machin. Donc c'était tellement centré, auto-centré sur son propre nombril. Auto-centré sur son propre nombril. Ouais, ça a été bien de la c'est un peu trois fois. pour moi ça a commencé à passer assez mal, enfin, toute la partie tag est passée, après j'avançais de plus en plus. Tu vois pas, moi aussi j'ai abrégé l'affaire de tag. C'est justement la partie qui l'intéressait, contrairement à toi. Voilà, et est-ce qu'il suffit, et ce qui m'a aussi dérangé encore dans le livre, sans, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais livre, mais elle a encensé, donc... Non, quand même. Non, mais c'est que on sent, enfin, pour moi, dans son écriture, je sais pas si c'est son premier livre ou pas, mais pour moi, on sent plus le rappeur que l'auteur, en fait. Donc, c'est-à-dire que parfois, on sait pas trop s'il est en train de nous parler ou s'il est en train de raconter son histoire à la manière d'un roman. Pour moi, on alterne les deux et ça m'a aussi freinée parce que moi, devant le rappeur, quand on a un premier texte comme ça, je me dis, ah, c'est pas mal et tout. Et le premier chapitre, j'ai failli fermer le livre tout de suite parce que je me dis, c'est quoi ça? J'ai pas compris l'accroche en fait du premier chapitre. C'est juste que pour moi, tout l'intérêt, c'est dans l'histoire, enfin, c'est dans la compréhension du parcours et effectivement, comme elle dit, de comment il en est arrivé là. Après, pour moi, ça, c'était pas obligé de tenir dans autant de pages, parce qu'on parle que de lui. Non, c'était pas obligé d'en faire un livre? Non. Si, obligé. Mais je me dis, qu'est-ce que du coup. Il parle beaucoup de son père, mais qu'est-ce que son père... Moi, je crois que c'est plus un peu un journal intime, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai pris beaucoup de recul sur le jeu, parce qu'il y a énormément de jeux, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus casser du sucre sur les gens. Il a quand même fait un bouquin. Quand même, hein. Moi, je respecte les écrivains. Je respecte aussi, mais je donne mon avis par rapport à ce qui m'a un peu freiné dans ma lecture. C'est que c'est vrai que c'est peut-être c'est vrai que c'est autobiographique, mais du coup, on n'a pas l'impact qu'il a eu sur les. On a tout le temps ce que ça apporte gens, lui, y a que ou ce que lui faire. On n'a pas l'impact que justement ça a apporté à tous ceux qui l'a côtoyé, qui veut c'est aider. C'est un peu un journal intime, hein, parce que. Quand même, son jeu, son père a avancé. Donc voilà, Rost, vous pouvez lire, mais vous n'êtes pas obligé. Résumé de nous deux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il conseille et grâce aux... Moi, si je conseille. Je conseille pas forcément. Vous avez, dans le sens où il se lit, c'est la vie de quelqu'un. Donc, c'est une biographie au sens propre. Maintenant, là où on peut peut-être s'en rapprocher, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un de plus ou moins notre génération. Alors, quand je dis notre génération, on va dire 70-85. Mais sinon, voilà. Il y a des jeunes, moins jeunes. Donc, voilà. Si vous avez
voilà. Vous savez pas quoi dire, on peut dire comme ça. C'est clair quand même sur pas voilà, mal de choses. Voilà, aborder. On va parler rapidement de René avant de recevoir Rachid sans papier qui est parmi nous. Donc René, qui a été écrit par This is La Peste, je pense que tout le monde se souvient de Je pète les plombs parce que j'ai pas mon bac fourni. Ouais, après, la cantine, c'est fini. Donc il a écrit un. Je sais pas si je peux qualifier ça de polar. Il a écrit un livre assez futuriste, ouais, en fait, voilà, un roman d'anticipation sur ce qui se passe en France en 2025. Je vais laisser votre plume, Tofa, préparer, en parler, et puis je conclurai. D'accord, je laisse en parler. Moi déjà, j'ai été étonnée par... quand je suis allée chercher René, on m'a dit que c'était au rayon science-fiction. Alors moi déjà, ça m'a étonnée. Je me suis dit, bah, tiens, This is La Peste, il écrit des livres de science-fiction. Bon, on va aller voir. Et en lisant, déjà, j'ai ressenti une certaine... Moi, personnellement, j'ai souvent des avis des gens sur les rappeurs qui disent que voilà, ils savent qu'écrire du rap, ils savent qu'écrire des phrases coupées, et puis c'est tout, et dire leur rage, et puis ça s'arrête là. Et en fait, non. Quand j'ai ouvert, j'ai vraiment été... je ne le pensais pas, mais voilà, ça m'a confirmé, et ça m'a fait une agréable surprise, parce que on voit un... C'est un écrivain. J'ai toujours été convaincue qu'il écrivait bien, que ses textes étaient bons. On peut prendre des chaises de l'autre côté, si... Mais voilà, mais c'est vraiment un écrivain à part entière, dans le sens où il y a, à mon sens, tout ce qui réunit l'écriture, tout ce qui réunit la littérature, qui est, voilà, on a une plongée dans les personnages, on a une compréhension de la psychologie des personnages, on a une anticipation. Alors l'anticipation, déjà, elle fait assez peur. Ce qui se passe, c'est que en 2025, Marine Le Pen est présidente de la République française. Après avoir été Premier ministre depuis 2017, elle a mis au point un certain nombre de mesures, comme la baisse de la majorité à 14 ans, de la majorité pénale également. Voilà, la francisation des prénoms aussi. On a un caïd dedans qui est l'ami du héros qui s'appelle Edgar, et en fait c'est un Congolais, je crois, et son nom c'est Kédougou. Alors ça a été complètement changé, et en fait le héros, j'ai eu l'impression de lire Sin City. J'ai l'impression de lire un Sin City à la française, pour ceux qui ont vu Sin City. C'est-à-dire qu'on a un roman assez sombre sur un futur qui est assez proche, hein, qui est probable aussi, et qui est assez sombre aussi. C'est comme s'il nous disait, voilà ce qui se passera, et c'est vrai. Et c'est terriblement réaliste. Voilà, c'est très réaliste, et en même temps, il ajoute des détails dedans. Alors on a le héros, d'abord, pour pas que je me perde. On a le héros qui s'appelle René, qui est un garçon assez timide et qui vit dans une France complètement transformée, avec une Marine Le Pen qui fait des répressions à tout va, avec une guerre civile qui est pratiquement déclarée à cause des conflits entre les jeunes et les policiers. Et donc, finalement, ça finit par... bon, c'est pas une vraie guerre civile, parce que ça reste assez... c'est une guerre civile éclair, voilà, c'est assez marginal. Mais il y a un climat quand même de rejet très très profond. Le climat qui existe aujourd'hui, il est vraiment extrapolé voilà, à l'extrême. Et ce René, qui est un garçon assez timide, assez studieux, qui lit des livres, qui tombe amoureux d'une fille qui parle comme dans les livres, alors que tous ceux dans son entourage parlent un petit peu le langage, on va dire, Kaira, entre guillemets, parce que c'est même pas... Le langage texto a été admis à l'école. Voilà. Il y a des téléphones avec intelligence intuitive, écriture spéciale texto. Les gens parlent en texto, c'est normal, ça a été validé par l'Académie. Voilà, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Il décrit un monde. C'est vraiment l'anarchie. Et en fait, lui, il aime beaucoup les livres en tant que tels, l'ancienne littérature, parce que finalement, quand on dit Kaira, c'est racaille. Racaille, c'est un mot du Moyen-Âge, donc c'est pas vraiment un mot qu'on peut qualifier de mot des cités, etc. Et donc, lui, ce qui lui arrive, c'est qu'il va rencontrer un caïd. Et le caïd aussi, il est assez futuriste, parce qu'il n'est pas cagoulé, comme dans les clichés classiques, où, voilà, mais il porte un chapeau de cow-boy un petit peu.
Il est habillé un peu à la cow-boy. C'est là qu'on voit que c'est vraiment Sin City, c'est-à-dire c'est vraiment autre chose, quoi. Mais finalement, la psychologie des personnages, elle est la même. Et on sent quand même le malaise et on sent l'envie de s'en sortir d'une autre manière, par le deal, par la drogue. Voilà. Après, l'aspect Sin City, c'est un peu... c'est vraiment la ville où, c'est vraiment le milieu où tout peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens d'une certaine cité qui sont contre des gens d'une autre cité, donc ils vont forcément leur chercher des noises à chaque fois qu'ils vont les croiser dans le métro, et voilà, donc on a des conflits assez violents, donc bon, ça reste assez réaliste, mais voilà, moi j'ai bien aimé la perspicacité de l'auteur, sa manière de décrire le personnage. Et René, ses émotions, elles sont personnifiées par une araignée. Alors j'ai pas très bien compris au début, mais finalement c'est pas si gênant que ça, parce que ça donne vie au roman. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est, par exemple, s'il est amoureux, il est en train de discuter avec la fille dont il est amoureux, bah, à un moment donné, si la fille elle lui dit quelque chose qui le touche, l'araignée déploie ses pattes. Voilà. Spider-Man. Quand il a peur, quand il arrive quelque chose dans le métro, ils vont avoir des embrouilles, l'araignée va couler le long de son dos. Voilà. C'est son angoisse de la vie, son angoisse de timide, son angoisse de garçon un peu marginal qui finalement veut s'intégrer dans la société dans laquelle il vit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette perspicacité. Et franchement, moi je le conseillerais, ne serait-ce que déjà pour savoir qui voter dans 5 ans déjà. On est obligé d'avoir quelqu'un pour savoir qu'on ne sera pas marine. Hein. En tout cas, This is la peste, agréable surprise. Ouais. Je ne savais pas qu'un rappeur pouvait écrire et correctement. C'est un avis que je me réserve. Des rappeurs qui font en sorte de toujours avoir des mots, des vrais mots, ouais. Pas d'argot, pas de vulgarité. Ça m'a changé de... Il est connu pour ça. Ça m'a changé de Booba, en tout cas. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai lu rien que le prologue, je me suis sentie dans un vrai livre. Au niveau de l'écriture, c'est soutenu. C'est soutenu. Il y a une vraie intrigue. René, ça pourrait être n'importe qui, en fait. C'est quelqu'un qui a des émotions, somme toute, banales, mais terriblement décrites. Faut dire que René, il a une mère qui est un peu pochetronne, oui, has-been, qui se drogue, est toxico, qui boit, ça va dans qui fait un peu la cougar, accessoirement. Bref, elle ressemble pas à une mère, quoi. C'est plus sa colocataire qu'une mère. René, vu son âge, est aussi complexé. Il met plusieurs épaisseurs d'habits sur lui parce qu'il est maigre. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un mal-être, mais qui en même temps examine la société dans laquelle il se retrouve. Il faut savoir qu'on est en 2025 quand même, donc nous on n'y est pas encore, hein, on est en 2012, dans 10 ans. Mais il se retrouve dans une société où tout part en l'air, et il a quand même un regard assez critique sur la société qu'il a. J'ai trouvé formidable qu'il n'est même pas, il déteste même pas sa mère, en fait, complètement largué. Il y a des détails, j'étais agréablement surprise. C'est-à-dire que il va décrire des scènes. René, il arrive, il trouve sa mère littéralement à moitié déshabillée sur le canapé en train de cuver son vin rouge. Ça pue, la maison est sale. Et il vient, il regarde sa mère, il la couvre. Elle est à moitié nue, mais il la couvre, en fait. Il lui fait un bisou, je sais pas. C'est sa mère, quoi. Oui, c'est sa mère, mais il a une attitude d'être humain. Il n'est pas déshumanisé. Il a un regard sur les choses complètement lucide. Et il analyse les choses. Alors, en plus, ce qui est un peu effrayant, c'est que ce qu'il décrit peut arriver. Hein. Bon, Sarkozy, il n'est plus dans la course, mais pour le moment, en tout cas, pendant 5 ans. Mais au début, c'est au prologue, donc je ne vous raconte pas le livre, mais l'UMP et le FN signent un accord secret pour prévoir plus tard que Marine devienne présidente. Ce sont des choses qui peuvent très bien arriver. La francisation des prénoms, hein, plus d'Abdoulaye, Souleymane, Mamadou, tout ça l'a terminé. Tout le monde Christian. La majorité à 14 ans, donc ton gosse il te regarde à 14 ans, il dit je suis un homme. Tu gardes la pêche. Il va au tribunal, mais
Il peut également être jugé pour meurtre, il peut être tué. Bon, elle crée une espèce d'armée, là, la répression armée territoriale. Un policier, il te regarde, ta tête ne lui plaît pas, il te tire dessus, t'es mort, quoi, terminé. Pas de justice, rien. C'est vraiment un no man's land, c'est l'anarchie. Et c'est terrifiant de réalisme. Moi, je me suis plongée dans ce livre et je me suis dit, waouh. Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est rangé à la science-fiction. Hein. C'est un roman d'anticipation. Et en plus, c'est absolument pas fou. Et c'est remarquablement maîtrisé. Voilà, exactement. Et au niveau de l'écriture, il maîtrise son intrigue. Donc c'est quelque chose de à lire. Je le recommande. Les rappeurs qui. Ah, ça t'a pas plu, hein? Non, mais c'est juste pour. Là, c'est vrai que Dizis, on sent pas du tout le fait qu'il. Son autre vie de rappeur, on le sent pas du tout dans le livre. Voilà. Ça, c'est clair. Il l'occulte contrairement à, par exemple, à Issa Sané, qui est sur le sur la table, Daddy est mort. Mm-hmm. Là, on sent vraiment que c'est quelqu'un qui est un slammer et un rappeur qui écrit, même s'il a aussi une très forte intrigue. C'est un vrai roman policier, là, pour le coup. Hein, ça ne, c'est pas d'anticipation, mais c'est un roman policier, flic au voyou. Mais là, quand on voit comment il écrit, c'est le gars qui cherche, gars il cherche la punchline, qui travaille, qui joue avec les mots, et ça, c'est totalement différent de comment DC s'écrit. Mais lui, on sent l'influence du rappeur, mais un rappeur qui sait écrire, quoi. C'est plus un Oxmo ou un Solar que ce que je citerai pas. Mais pour dire que voilà, c'est tous les deux des rappeurs, c'est tous les deux des rappeurs, mais c'est simplement qu'en tant qu'écrivain, ils ont des manières totalement différentes d'écrire. Et en plus, les deux bouquins n'ont rien à voir, mais les deux bouquins sont super. C'est un rappeur connu, un slammer connu. Issa Sané, je connaissais plus que Rost, par exemple. Ah, d'accord. Ouais, plus que Rost. Mais Rost aussi s'essaye un peu au punchline de temps en temps, mais c'est ça qui fait le mélange. Il s'essaye aussi de temps en temps une petite phrase un peu bien tournée. Mais là, pour le coup, justement, Daddy est mort, c'est un vrai roman. C'est absolument pas une autobiographie, c'est un vrai roman pur et dur. On parlera avec Rachid tout à l'heure, ça va plus penser justement à Rachid Santaki parce que c'est une histoire de flic et voyou, un vrai roman polar, c'est un vrai polar pur et dur. Mais c'est un super aussi, hein, si on aime les gens qui aiment bien s'amuser avec les mots et tout ça, Donc notre panorama de ce soir, je rappelle, René, This is La Peste. Daddy est mort, personne n'en a trop parlé en mi-jose parce qu'en fait on n'a pas trop fait le devoir, mais bon. Daddy est mort cette année. Des chiffres et des litres, et les gens qui sont en carrière de Rachid avec qui on va parler tout à l'heure. Rost, autobiographie, Kiff demain, Faiz Again. Et Jaune Cinglé aussi de Kamala Rachid. Or ça, on l'a pas vu, personne ne l'a vu dans la liste. Donc, mais c'est un roman urbain ça se rapproche plus de René parce que c'est très anticipation aussi, il y a un peu de mélange de science-fiction. On aura l'occasion d'en reparler de Kaotar Archi un peu plus dans le détail. Donc on va recevoir Rachid qui va nous parler de ses livres.